Je pars largement satisfaite. Vraiment, mes collègues et moi-même sont très contents d'avoir été conviés. La considération est également importante dans la vie d'entrepreneur que nous menons, qui est toujours parsemée d'embûches, de savoir que nos activités, nos projets sont pris très au sérieux et sont vraiment mis en avant de sorte à ce que la Côte d'Ivoire puisse briller de par les différentes pépites que nous sommes et que nous avons l'intention d'être encore plus pour notre pays. Nous avons pris plaisir à participer à cet échange avec l'agence Côte d'Ivoire PME qui crée un cadre pour mieux structurer notre entreprise et créer des opportunités pour nous permettre de croître. Cette aventure-là continue et c'est une très bonne nouvelle pour nous parce qu'on ne se sentira pas délaissé. Et avoir l'agence Côte d'Ivoire PME à nos côtés, c'est une très grosse opportunité, une chance pour nous. Et nous remercions le directeur général pour cette initiative. Cette rencontre nous a permis de comprendre le processus des aides aux PME et de comment on peut arriver à avoir quelque chose de pratique grâce à l'agence PME. Ce matin, nous venons de rencontrer les startups bénéficiaires du programme que nous appelons PAP, programme d'appel à la productivité, Incubation Express. Donc pendant environ 3 mois, ces entreprises ont été sélectionnées, une dizaine d'entreprises, de startups. C'est un total de plus de 250 entreprises qui ont postulé. L'objectif de l'agence Côte d'Ivoire PME, au travers de cet exercice, c'était d'identifier des entreprises qui étaient en phase d'accélération et de pouvoir bien sûr apporter tout l'accompagnement nécessaire en termes de modélisation de leur modèle d'affaires, en termes d'accès au marché, en termes d'accès au financement. Et il y a 2 semaines environ, en présence de M. le ministre de la promotion des PME au Petit de Bassam, le jury a statué et il y a 6 vainqueurs. Au cours de cette rencontre ce matin, nous avons échangé les prochaines étapes. Parce qu'une fois qu'on a des entreprises bénéficiaires, il s'agit de voir quel type d'appui l'agence Côte d'Ivoire PME pourra leur apporter dans les prochains jours. Donc bien sûr avec eux, nous avons évoqué d'abord les questions relatives à la remise des prix, parce que c'est environ 10 millions de francs CFA qui sera transféré aux 5 entreprises vainqueurs. Et après le programme, bien sûr, après avoir reçu ces chèques-là, nous avons aussi identifié avec eux une série d'actions que nous allons poser ensemble dans les 4 prochains mois en termes d'accompagnement et bien sûr en termes de mise en relation aussi avec le marché et bien sûr de mise en relation aussi avec le club des mentors de l'agence Côte d'Ivoire PME. Donc je dirais brièvement que c'est une très bonne rencontre. Il s'agit bien sûr des pépites de la Côte d'Ivoire et le rôle de l'agence Côte d'Ivoire PME est de pouvoir accompagner ces entreprises parce que le défi de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 est de pouvoir créer des emplois qui soient décents. Et ce n'est bien sûr qu'avec l'appui de tous ces jeunes Ivoiriens hein, que nous serons capables de relever les défis du futur par la création d'emplois et bien sûr par la création de richesses pour notre pays. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.